La mallette gang. Oh boy, this shit bang. J'suis dans le RSI à tonton, j'traîne avec Vagos, fais attention. Si j'la perds, faut que paye la caution. Mais pas grave, Poppy prête million. La daronne d'elle refait, j'la soulève dans la féfé. Faut que j'lui sorte mon pistolet et mes billets violets. Elle est bizarre, son gros fiac me fait de l'effet. Elle rugit plus qu'un RS6 ABT. Wouh! Ça les gars, c'était une intro bien énergique comme on les aime. Je sens que je vais me faire copyright, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. La mallette gang. Oh! Si quelqu'un veut 10 centimes, les gars, je donne. Aujourd'hui, les gars, j'ai une patate. Vous savez, il y a des jours où comme ça, vous êtes heureux, vous savez pas pourquoi. Bah voilà, c'est mon jour. D'ailleurs, les gars, faut que je vous montre. J'ai appris à faire le moonwalk. Donc vas-y, dites-moi si je le fais bien ou pas, là. Mais bon, d'abord, on se met à l'aise, frérot. Ah, je pense qu'ici, il y a un moyen que vous voyez un truc, là. Y'a un petit peu un truc là? C'est bien ou pas? Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Une vidéo tant attendue. Pas tant attendue que ça en fait, non. Aujourd'hui les gars, je vais réaliser un concept que je pense déjà beaucoup de youtubeurs l'ont fait. Bref, vous allez dû le voir dans le titre je pense, je vais pas tourner autour du pot 3000 ans. Aujourd'hui, nous allons faire une épreuve de Squid Game qui n'est pas n'importe laquelle, qui est celle du Dalgona Candy. Alors pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est Vinky? Qu'est-ce que c'est le Dalgona Candy? Eh bien je vais vous répondre. Vous devez tous savoir ce que c'est que l'épreuve de Squid Game, donc je vais vite fait faire un petit topo de ce que c'est pour ceux qui n'auraient éventuellement pas regardé la série. Je vais un petit peu vous faire faire de l'histoire, on va augmenter un petit peu votre culture générale parce que ici dans cette communauté, on a un niveau pas très très élevé. Donc moi je vous récupère là et je vais vous emmener là. On va commencer par parler du Dalgona Candy ensuite. Après la théorie, j'ai envie de vous dire qu'on va passer à la pratique. Le Dalgona Candy, c'est un bonbon ou un gâteau, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, comme vous le souhaitez, qui est d'origine sud-coréenne. Donc il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, c'était quelque chose de énorme en Corée du Sud. Et ce qu'ils faisaient, les vendeurs à l'époque en Corée du Sud, c'était très bien pensé, ils allaient garer leurs petits chariots pour faire justement leurs bonbons à côté des écoles. Et en fait, de base, c'était juste un bonbon et c'en est devenu un petit jeu, je vous explique. En gros, ce que faisaient les vendeurs aux enfants, donc ça rejoint exactement ce que les gens font dans la série, sauf que s'ils perdent, ils meurent. Si l'enfant réussissait à découper la forme qu'il y avait sur son Dalgona Candy, le vendeur lui offrait un bonbon supplémentaire gratuitement. Et donc ce jeu porte un nom, évidemment, ça s'appelle le Pkogb. Ah, j'arrive pas, c'est trop dur! Les gars, en français, c'est imprononçable, mais ce jeu s'appelle le Pkogpi. Bref les gars, c'est parti, on est parti pour aller cuisiner le bonbon de Corée. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à faire quoi les gars? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt 1000 abonnés. C'est énorme, c'est énorme. Moi, j'adore, ça me fait bander en bas là. C'est parti, let's go. Wow, c'est incroyable cette transition de youtubeur. Ah mais pourquoi je suis flou? Tu payes une caméra 500 balles pour être flou quoi, au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Hein. C'est vraiment le fond qui est net. Tu vois pas ma grosse tête au milieu là? Donc les gars, pour cette recette, bah c'est pas compliqué, t'as besoin de deux ingrédients. Du sucre et du bicarbonate de soude. Sauf que moi, comme j'en ai pas, et que vas-y, ça me prendrait 20 minutes de ma vie à aller en magasin pour acheter ça, j'ai vu une petite alternative sur internet qui dit qu'on peut mettre de la levure chimique. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Flemmarde que je suis, je prends de la levure chimique, quoi. Bref, sans plus tarder les gars, on est parti, on va cuisiner, y a rien de plus simple. Tu fais chauffer ton sucre, ça fait du caramoule. Ensuite, après le caramoule, qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges avec la levure chimique et bam, ça fait des chocs à pic. Let's go. Les gars, c'est parti. Là, je me munis de ma plus belle casserole. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à chauffer le sucre. Ensuite, on va y ajouter la levure chimique. Et ça fera le Dalgona Candy, ma gueule. Hop. Donc, alors, c'est parti. On va mettre à chauffer à feu moyen notre sucre. Mais avant ça, faut mettre le sucre dans la casserole, évidemment. Bon, honnêtement, au niveau des quantités, je ne sais pas du tout s'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup. J'en ai strictement aucune idée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça chauffe. Wow! Les gars, c'est la panique là en cuisine! J'étais tranquillement en train de chercher un emporte-pièce. Quand je me rends compte que ça, c'est déjà du caramel. J'ai eu de la chance, ça aurait pu durcir, j'aurais pu foirer la recette. Ok, je suis encore dans le game, les gars. Donc, par contre, là, il va falloir que j'ajoute la levure chimique. Je sais pas du tout quelle dose faut que je mette. J'en ai mis pas mal en vrai. J'ai mis ça. À tout moment, t'as... Oh là là, mon micro, il a failli se mélanger au truc. Oh, oh, ça fait une texture trop bizarre. Regardez-moi ça. Ça fait de la mousse. C'est normal, ça.
Oh, ça sent le cramé. Waouh, waouh. Je vous avoue que ça sent plus le cramé qu'autre chose là. C'est parti, j'ai pas trop de temps à perdre je crois. Donc là ce que je vais devoir faire, c'est verser le caramoule sur mon plat. Par contre je crois que la couleur elle est pas trop normale. Je suis en train de paniquer dans tous les sens, là c'est ça allumé de tous les côtés, j'en ai mis partout. Mais ça ressemble grave à quelque chose mon truc là. C'est un peu marron foncé, mais en vrai ça passe. En vrai, c'est la misère. Bon, les gars, comme il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu chez moi, j'ai totalement échoué la recette. Ah là là, c'est ça de faire de l'impro. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez le constater à la couleur. Il y a un souci. Ensuite, que ça mousse comme ça et tout. Regarde, j'ai dû mettre la casserole à l'extérieur pour qu'elle sèche. Enfin, en gros, il y avait une odeur qui me montait au nez, qui était ultra puissante. Ça me prenait là, c'était trop bizarre. Ensuite, j'ai léché ce petit morceau. C'est dégueulasse. Ça a un goût, j'ai l'impression que c'est du poison, frère. Et comme si c'était pas suffisant, j'ai fait l'erreur qui est d'oublier de décoller le truc. Parce que là, voilà, tu vois, ça se casse. C'est nul. Là, les gars, c'est la merde. Je vais essayer de faire mieux. Et si j'y arrive pas, j'ai le seum. Après combien d'essais ? C'est mon troisième. Après le troisième essai, on a enfin réussi à voir quelque chose. Bon les gars, après 2 jours de cuisine, j'ai fini avec ma sœur. Parce que c'était infaisable, j'étais trop nulle. Je suis la seule meuf de France à ne pas savoir faire les Dalgona Candy. Mais on a enfin réussi. Bon, on a un peu cramé toute la maison, mais ça c'est qu'un détail qu'il ne faut pas dire. C'est parti, vas-y, montre. Donc voilà le mien. Et voilà le mien. Qui est un peu cassé. Oula. Viens, on fait celle qui casse le plus rapidement le sien. Mais arrête, hein, moi je vais gagner, je vais pas mourir. On va jouer à un jeu. C'est glauque de dire ça maintenant. J'ai envie de dire un truc, Zébardi. Je vais enfin pouvoir réaliser le défi. Oh, oh ah, on commence. Mais ah bah moi j'ai commencé. Je m'avais même pas dit. Oh, j'ai eu trop peur les gars, regardez. Regardez les gars, j'ai eu trop peur, je suis en train de gratter. Le contour c'est cassé pile poil. Wow. On dirait pas mais c'est chaud. En vrai attends, vas-y viens, fais une petite pause, on fait une petite dégustation du... Moi j'ai déjà mangé. Vas-y, 1, 2, 3. Oh, du coup j'ai me péter une dent. Ah, en vrai c'est bon. Pourquoi tu fais ça? Peut-être les gens ils aiment bien l'ASMR. On est reparti pour tryhard les gars. Comme on tryhard. Je suis en train de défoncer l'aiguille à coudre, papa, je crois qu'il va pas être très content. Mais c'est hyper long à gratter. Hein. Eh, viens, attends. Moi, tu sais, du coup, je fais ça. C'est qu'on la ref. Il me reste plus que ça. Oh non, je ne perdrai pas. Il me reste plus que la petite pointe, là. J'ai gagné. Mais on n'a même pas le droit de croquer. Tout est permis, hein. Le mec, il l'a bien léché. Bah, fallait le dire qu'on avait le droit de croquer. Moi, je ferais ça depuis le début, sinon on aurait gagné. Hein. Et moi, je suis une mauvaise joueuse. Donc voilà, les gars, regardez, ça, c'est mon rond. En vrai, dites dans les commentaires si le défi est réussi. Et là, ma soeur, punaise. Eh, en vrai, elle était prête à gagner. Il restait plus que ce petit bout-là. Mais elle avait gagné, en vrai. En vrai, moi, je dis à égalité. Oh, je trouve ça goût de cramer. J'ai des fourmis dans les pieds. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. C'est une vidéo qui a été pas mal faite sur YouTube, mais j'ai un petit peu essayé de diversifier le contenu si je puis dire. Bref les gars, sur ce, c'est une fin de tournage. Peace. Je me suis failli là. Oh, ça a collé au poil.